Le bolon est un instrument de musique traditionnelle à percussion dont la caisse de résonance est une énorme calebasse ou gourde couverte de peau de vache et surmontée de manches en bois arquées sur lesquelles sont fixées des cordes en peau torsadées. Un morceau de fer découpé jouxtant l'extrémité du manche permet de fixer les cordes. Un bois de forme d'arc est enfoncé dans la calebasse. Pour amplifier les vibrations des sons, le joueur porte souvent des sonailles, constituées de plaques métalliques sur lesquelles sont fixés de petits lobes de forme ovoïdale également en métal et munis de petits anneaux en fer. Cet appareil est fixé sur la main du joueur au moyen d'un coussinet garni de cordons ou d'un caoutchouc. Le nombre de cordes en peau détermine le mode d'usage et le type de bolon. Il anime les fêtes, accompagne les prières dans les bois sacrés, stimule l'ardeur au travail, ponctue la musique funéraire, il rythme la vie tout court. Les légendes qui l'entourent et les usages qui en sont faits participent des mythes fondateurs et déterminent ses fonctions sociales. Ainsi, on distingue le bolon monocorde et bicorde qui animent les manifestations de résistance populaire, mariage, baptême, fête, soirée récréative des jeunes, etc., et accompagne les cérémonies rituelles, rites initiatiques et funéraires, pratiques religieuses, rites thérapeutiques des possédés, cérémonies d'imploration divine en vue de l'obtention de la pluie et de la fertilité de la terre, etc., pour la transmission et la cristallisation des valeurs morales et identitaires. Le bolon tricorde ou quatre cordes sont les plus répandus et les plus utilisés. Ils ont une fonction panégyrique, servent à accompagner les louanges aux chefs traditionnels, à célébrer les hauts faits des rois, les cultivateurs lors des travaux champêtres, incitent les guerriers à la prouesse, aux exploits, aux actions d'éclat. Instrument répandu chez les communautés Sénoufo, Bambara, Binianka et Malinké du sud du Mali, le bolon est un instrument qui se joue en solo et peut accompagner d'autres instruments de musique, notamment le xylophone, balafon, le tamani, tambour à aisselle, les luths et autres instruments de bruitage. L'éloquence musicale prend alors un nouveau souffle par un mouvement plurilinéaire qu'importe la subtilité des sonorités en présence. En solo ou en ensemble instrumental, le discours musical se fonde sur une offre de multiples mélodies rythmées. Le bolon reste l'un des rares instruments de musique ayant conservé sa facture traditionnelle. Il fascine par sa musique, faite d'une esthétique et des pas de danse envoûtantes que développent avec des expressions diverses les musiciens qui en font leur instrument de prédilection. Le bolon chante la paix, le dialogue intégrationnel et la cohésion sociale. Sert à transmettre aux générations montantes les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Le bolon, c'est un instrument traditionnel. Au début de l'hivernage, pendant l'hivernage, au moment des récoltes, on joue le bolon. Pour les grands producteurs, et puis les braves hommes, et puis les grands guerriers
on joue le violon. Et les vieux qu'il a, il a cités dans sa chanson là, c'est des vieux qui ont servi pour le monde. Donc c'est pour rappeler à la nouvelle génération qu'avant, il y avait la paix et puis l'entente au Mali et puis partout. Mais là où nous sommes maintenant, ça a tendance à sa fabrication et son apprentissage se fondent sur une pédagogie didactique car la méthode repose sur l'observation, l'impréhension et la réaction immédiate. L'imitation du maître, sachant que l'élève apprenant est non seulement un signe de respect, mais également celui d'une humilité garantissant un résultat probant, qui est celui de faire comme le maître, tant dans la pratique qu'à l'appropriation de savoir et savoir-faire liés au bolon, au nombre desquels nous pouvons citer la maîtrise de l'histoire locale, la généalogie, les pactes d'alliance ancestraux, la jurisprudence, les pratiques rituelles et initiatiques, les notions du temps et de l'espace, la place de l'homme dans la nature et dans la société, la communication sociale, le jeu, la musicalité, la formation identitaire et celle de la vie. Le polon, c'est un des instruments le plus ancien de nos coutumes ici, précisément à Sirakele. On l'utilise dans l'accompagnement de nos cultivateurs dans les champs. C'est pour motiver les cultivateurs à mieux cultiver, accompagner nos chefs, notamment les chefs des villages, dans tous leurs déplacements. Troisièmement, c'est un instrument aussi utilisé dans nos cérémonies funéraires. Pratiquement l'utilisation même aujourd'hui d'un polon chez nous, c'est fréquent dans les funérailles que dans les autres fonctions, compte tenu de l'ampleur islamique. Technologie, donc l'instrument a tendance à disparaître. Mon souhait, ce n'est pas dans mes souhaits que l'instrument va disparaître. Pour préserver cet élément de disparition, des associations de promotion du bolon, créées dans plusieurs localités détentrices, organisent régulièrement des festivals dédiés à la fabrication, à l'apprentissage et à la connaissance du bolon. La volonté communautaire à préserver et promouvoir l'élément constitue un indicateur majeur pour sa sauvegarde urgente et la continuité culturelle. C'est pourquoi le ministère de la Culture, à travers la Direction nationale du patrimoine culturel, se propose d'inscrire l'élément. Yeah.